Bienvenue sur la 20e édition du Mémorial Rick Van Steenbergen. Nous sommes le 8 septembre 2010, 195,9 km. Nous sommes dans le dernier kilomètre d'une course qui a d'abord été animée par trois coureurs pour l'échappée matinale. Klaas Ludovic Dalot, Top Sport, François Jürgen de la Palmas, Enrico Peruffo de la Carniora. Ensuite, Marco Marcato de la Vacances Soleil a tenté sa chance sur ce circuit final. Malheureusement, il a été repris par une équipe Katusha, très motivé pour emmener un sprint pour Robbie McEwen, le sprinter australien, trois fois vainqueur du maillot vert et deuxième du Grand Prix de l'Escaut en début de saison. Et d'ailleurs, vous voyez que Robbie McEwen, à 200 mètres de la ligne, a lancé le sprint. On pense qu'il va être débordé par Jürgen Rolland, mais Rolland n'arrive pas à passer McEwen. Alors qu'à droite de votre écran, ça va être un petit exploit du jeune Michael Van Steyen de la Top Sport Vlaanderen qui va s'imposer, lui qui avait déjà gagné une étape sur le Tour du Danemark, le sprinter belge de 22 ans. Maintenant, on va voir le ralenti de ce sprint, tandis que le coureur de la formation flamande fait donc son deuxième succès de la saison, lui qui est parti avec le dossard numéro 141. Alors maintenant, on va se concentrer sur ce sprint qui a été incroyable de la part de Michael Van Steyen. D'ailleurs, alors vous voyez que Robbie McEwen de la formation Katusha au centre de votre écran a lancé de très loin le sprint. Mais vous allez voir, il va se décaler sur la gauche. Ça va empêcher donc Van Steyen de passer. Et pourtant, Van Steyen va relancer son sprint dans les derniers mètres. Il a pourtant perdu un peu de vitesse, mais pourtant, il va avoir encore la force de relancer. Tandis que vous voyez qu'il s'impose donc. Belle 4e place d'Anthony Ravard et 6e place pour un autre Français, Lloyd Mondory. Ciao tout le monde.